Shalom Aleichem, nous avons le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Aïn du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatznacha. On parle encore de différentes maladies et différentes manières de les guérir également. Alors donc, nous sommes au recto de la page, à la première ligne. Nous allons parler les Chazizita, nous dit la Gemara. C'est donc une maladie qui touche la peau, qui fait des gros boutons. Alors, la personne se devra d'apporter l'aïté, Shafrité, Arzenayata. C'est donc, Shav, ça veut dire 7, bien sûr. On avait vu plusieurs fois. Chrité, ce sont donc des grains de blé. Arzenayata, ce sont des grains de blé qui sont gros, vénikleinéou, et mera chadata, la personne se devra de les faire griller, vénikleinéou, à mara chadata, sur une planche, donc en fer, chadata qui est nouvelle, vénafik mashraminéou, et donc va sortir l'huile de ces grains de blé, vénichof, et qu'est-ce qu'il va faire avec cette huile-là? Il va soindre son corps ou à l'endroit où il a toutes ses plaies. Alors, Rav Shimi Barashi, Avadle, Leahu, Oved, Kochavim, les Davaracher, Rav Shimi Barashi avait fait justement donc cette potion-là pour un goy, pour le guérir, les Davaracher, parce qu'il avait justement la tsaraat, des problèmes de lèpre. Ve itase, et en effet le goy a été guéri. La Gemara nous rapporte, Amar Shmoel, Haïman de Machoule, Be Alondre de Parsae. Donc, une personne qui a été tapée avec un sabre de persim. Les persim se sont attaqués à lui, et on sait qu'ils ont l'habitude de mettre sur le sabre, justement, du sam, un espèce de poison. Alors, ça rentre dans le corps, la personne ne va pas vivre. Mechaye, lochaye. Vivre, il ne pourra pas vivre. Romar, ça veut donc dire un sabre, et Parsaim, donc, c'est les persim. Alors, que va-t-on faire? On nous dit, Adéachi Veachi, entre-temps, on a envie qu'il puisse vivre quelques instants pour qu'il puisse dire également « Voici que tel bien, je veux les donner à telle personne. » Alors, Nisfoulé, Bisrach, Mena, nous allons donc lui faire manger de la viande bien graisseuse, Agumre qui a été grillée, Vechamra, Chaya, et également on va lui faire boire du vin qui n'a pas été coupé auparavant, Chamra, Chaya. Et nous dit l'Agmara, pourquoi une telle chose? Efchar, des Chaye pourta, ou mes paquets abeïté. C'est possible qu'il puisse vivre un petit instant et donc qu'il puisse dire voici que dans ma maison je veux que l'on donne telle et telle chose à telle personne. Il y a donc le Higrat Moshe entre parenthèses et également le Rav Shlomo Zalman qui parle et qui veulent tirer de cette Gemara-là certains points importants, à savoir est-ce que je peux finalement faire en sorte qu'une personne puisse vivre quelques instants en plus alors que je sais que ses souffrances sont atroces. On voit d'ici de la Gemara que l'on peut faire une telle chose, mais spécialement pour qu'ils disent « voici que mes biens, je vais les donner à telle et telle personne ». Ou sinon, peut-être, il n'y aurait pas un intérêt de lui rallonger la vie en sachant qu'il a de grandes souffrances. En tout cas, « Amar Ravidi Baravin, Haïman de Bala Zibura », une personne qui a avalé une Zibura. C'est ce qu'on appelle une Sira, c'est une bête qui est très dangereuse. Alors on doit savoir qu'il ne va pas vivre une fois qu'il a avalé. « Mechaye lochaye ». Mais entre-temps, pour qu'il vive un petit instant, « Adéachi Vehari », nous avons une solution. « Nashke Reviata de Chala Shamgazag ». Chala, ça veut donc dire le vinaigre. Et « Nashke », on va lui faire boire un révite de vinaigre. « Shamgaz », qui est très fort. « Efchar de Chaye Purta ». C'est possible que grâce à cela, il pourra vivre un petit instant. « Ou Mafkid Lebete » et qu'il dise « Voici que mes biens, je veux les donner dans ma maison à telle et telle personne ». On continue à Marabi Yoshua ben Levi. Achal basar shor be lefet. Si jamais donc une personne a mangé basar shor, de la viande de bœuf, avec un légume qui s'appelle le lefet. Et donc par la suite, il s'est endormi dehors. Velan be levana. Donc devant la lune. Beneina arba asar o chamisha asar be tufat tamuz. Pendant la Tkufat Tamuz, c'est donc une saison, il a dormi un soir, 14 ou 15e soir, alors que la lune était grande. Alors, Ochazeto, Achila, voici que s'est attrapé, s'est pris en lui, une maladie qui s'appelle Achilou, pardon. On en parlera par la suite, on dira quelle est cette maladie. En tout cas, Tana, Veamemale, Kerisso, Mikol Davar, quelqu'un également qui vient à se remplir le ventre de toute chose qu'il voit. En effet, il mange sans se restreindre du tout. Beaucoup de choses qui sont très sucrées également. Alors, Ochazeto, Achilo, voici que va se prendre, s'accrocher à lui la maladie qui s'appelle Achilou. Amarav Papa, Afilou, Mitamre, même quelqu'un qui mange beaucoup, énormément de dattes, aura cette maladie-là. Nous dit la Gemara, c'est évident. Pshita, puisqu'il en mange sans faire attention, Bichlal, il se remplit, se remplit, se remplit. Il va avoir la maladie. Quelle serait la différence entre les dattes et les autres choses? Nous dit la Gemara, non. J'aurais pu croire que c'est différent, les dattes. Salkadata Chamina, tu sais, Oil, Ve Amarmar, puisqu'il a été enseigné que
Tamré, mais Sabran. Les dates, c'est formidable parce que c'est Masbir, ça nourrit, ça remplit. Et également, Umesha Hanan, ça réchauffe le corps. Umeshanchelan, ça aide à aller aux toilettes. Umeshan, et également, ça donne de la force. L'Omefankan, également, même si on en mange beaucoup, on ne sent pas tellement, on n'est pas dégoûté, on va dire, de ce goût-là. Alors, puisque c'est si bon les dates, j'aurais dit que la maladie Achilou ne pourrait pas s'attraper sur lui s'il a mangé beaucoup de dates et malo. Kamash Malan, on nous apprend qu'à ce sujet-là, oui, même les dates, c'est comme les autres choses. Maï Achilou, alors on va nous rapporter, c'est quoi justement Achilou? Amar Rabbi Eliezer, Ish, Esh, Shel, Atzamot, c'est donc du feu que l'on a dans les eaux. Maï Esh, Shel, Atzamot, c'est quoi du feu que l'on a dans les eaux? Amar Rabbi Esh, Garmi, comme ça on traduit ça, c'est donc, on va dire, une inflammation des eaux. Maï Asouté, comment va-t-il faire pour se guérir? Amar Rabbi Esh, Amrali Em, voici ce que m'a dit ma maman, c'est en fait sa Ménika, celle qui l'a fait grandir. On sait que Abaye, lorsque sa maman a accouché, tout de suite, elle est morte. Asher, Becha, Yerucham, Yatom, ce sont donc les otiotes, les initiales de Abaye. Kuleu, Shakiané. On doit savoir, lui a dit sa Ouman, comme quoi toutes les boissons que l'on boit en tant que potion pour guérir, alors on les boit soit 3 jours, soit 7 jours, soit 12 jours. Tlata, Shiva, Treisar. Et donc, Vehaï, par contre, cette potion que l'on va citer maintenant, on la boit jusqu'à ce que l'on se guérit. Ad de mitassé. On nous dit également, Kuleu Shakiané, Alibarekana. Toutes les boissons que l'on boit pour se guérir, on les boit quand on a Libarekana, le ventre vide, qu'on n'a rien mangé auparavant. Vehaï, et par contre, cette potion que l'on va citer, c'est après que la personne ait mangé. Batardé Achil, qu'il ait bu également Véchaté, qu'il soit parti aux toilettes. Vehaïel, les bêtakissés. Par la suite, qu'il soit sorti des toilettes et se soit lavé les mains également. Là, on lui fait boire la poisson. Ve nafik ou mache yade. Nafik, ça veut dire sortir. Mache yade, fernetila tiadaim. Alors là, maïtoule buna deshtita de talpere. On lui donnera à boire justement une poignée, on va dire, d'une nourriture qui s'appelle buna shetita de talpere. Une nourriture qui est faite avec du kemar de hadashim, avec donc de la farine d'haricot. Ubuna de Khamra Atika, on va lui donner, on va dire, une mesure d'une poignée de vin, de vieux vin. Et également, Venig Belinehu Beadadade, on va les mélanger ensemble, et la personne boira, mangera une telle chose, Venichul, cette potion-là. Venikror Besdine, et par la suite, la personne, on va l'envelopper dans des zdinim, dans des draps. Et donc, on va lui dire, va dormir, Venigne, Venika de Nukme Addekaem Inafshe. Personne se devra de le réveiller. Nika, c'est la négation. Nukme, ça veut dire réveiller. Adekame nafshe, jusqu'à ce que la personne se réveille d'elle-même. Pourquoi? Parce que le fait qu'il dorme avec tous les draps, ça va le faire beaucoup transpirer et c'est très bon. Comme ça, on nous rapporte dans la Gemara. Et on nous dit, vechikae, lorsque la personne va se réveiller, nishkene, lesinemine, on va lui retirer son foulard qu'il avait sur lui. Veilo, et si jamais on ne le fait pas et que le foulard reste sur lui, voici que Hadar il avait, la maladie reviendra sur lui. En tout cas, on continue. Jusqu'à présent, on a parlé de potions. Nous allons maintenant parler de certaines choses qui sont bonnes pour la santé. Amarle Eliaou, les Rabinatan. Achol Chalis, je te conseille de manger un tiers de ce que tu pourrais manger pour remplir ton ventre, pas plus. Chata Chlish, bois un tiers également pour remplir ton ventre. Voici qu'il restera un tiers de ton ventre qui sera vide. Et voici que lorsque l'on s'énerve, alors des fois le ventre gonfle. Il se gonfle d'un tiers. Vehine, chez Veanar, chez Lich, l'ekeshetik ostikros, ça veut dire s'énerver. Taamod al-miloecha. Et donc ton ventre sera rempli à ce moment-là. Pourquoi? Parce que si jamais tu le remplis avant et que par la suite tu t'énerves, alors ton ventre risque donc, on va dire, de s'abîmer et de s'écarter un peu trop. Tane Rabbi Chia Arotse Shelo Yavonide Cholimiaim, une personne qui ne veut pas avoir des problèmes dans les intestins de maladie là-bas. Ve Yehe Ragil Betibul, il faut qu'il ait l'habitude de tremper sa nourriture dans du chomens, dans du vinaigre. Et on nous dit Kaïtz Ve Choref, peu importe que ça soit l'été Kaïtz ou bien également l'hiver Choref. Seudatecha, Shahana Techa Mimena, quand tu as un repas également qui te plaît, Shahana Techa Mimena, alors Meshor Yadecha Imena, retire tes mains de ce repas-là avant que tu viennes à te remplir, pour ne pas que tu aies de problème de Mehaim. Veal Tish Eatzmecha, Besha, Shahata Tsarich Lenekavecha, au moment où tu as besoin de faire tes besoins, alors n'attends pas. Les Ashot, ça veut dire attendre, et Lenekavecha, c'est donc les Nekavim, les trous que l'on a pour faire ses besoins. Quand tu dois faire tes besoins, va vite aux toilettes rapidement. Il y a un issour de se retenir, Baltechaketsu. Nous tenons la halakha dans le Mishnah Bura que ce issour là n'est que Midé Rabanan, comme le Ridba, contrairement à certains rishonim qui disent que le issour est même Minatora. Et on nous rapporte ici, Amar Marugba, Haïman Deshate,
Talia Rivara, une personne qui vient boire du vin qui est blanc et qui a une mauvaise odeur. Alors, Orazatovitek, voici que il va avoir une fatigue dans tout le corps. Amara Frisda, Chitin, Mine Hamra, à vous. Il y a 60 différents vins, et on doit savoir, mais Alia découlé où le meilleur de ces vins-là? Sumka, Rihatana. C'est un vin qui est rouge et qui a une très bonne odeur. Rihatana, c'est donc du lachon rehar, une odeur. Et sumka, ça veut dire rouge. Maintenant, le plus mauvais des vins, Guerilla découlé où? C'est Talia Rivara. Rivara, ça veut dire blanc. C'est un vin qui a une mauvaise odeur, qui est mauvais. Talia, et donc également, il est blanc. Ce vin-là, il faut l'éviter. Amara Viuda, Ayman de Yativ, B. Tsefarne Nissan, Gabenura, une personne qui s'assoit Yativ. Quand ça, Betsaforne, c'est du lachon, donc Tsafna, c'est le matin en araméen. Pendant le mois de Nissan, il s'assoit devant le feu, Gabé Noura. Zeshayef Mashra, par la suite, il va oindre son corps avec de l'huile. Shayef, ça veut dire oindre, Mashra, c'est de l'huile. Venafik, il sort de la maison, Veyativ, et il s'assoit, ou ça, devant le soleil, Beshimcha. Ça y est, voici que la fatir va prendre tout son corps. Ohazato Vitek, c'est une maladie qui rend la personne fatiguée. Tanoura Banan, Ekizdam, une personne qui a fait une grande prise de sang, comme ils le faisaient à l'époque, parce qu'ils avaient trop de sang dans le corps. Alors, Veshimesh Mitato, si par la suite, donc, il a une relation avec sa femme, voici que les enfants qui vont sortir de là vont être des enfants qui sont Khalashim, qui sont faibles, Avian Lebanin, Vitkin. Et nous dit l'Agmara, tu sais, Ekizou Shnehem, Veshimshu, si les deux ont fait la prise de sang et qu'en même temps ils ont eu leur relation, alors là c'est encore plus grave. Avelan, Banim, Baaleratan. Baaleratan, c'est donc des enfants qui ont cette maladie de fatigue, mais elle est très forte. C'est en fait une espèce de petite bête qui est dans leur cerveau et qui justement les rend très très fatigués, comme ça nous rapporte les Mefarshim. Amara Papa, Lohamran, Ella, Delotaimide. Tout ce dont on parle, c'est lorsque la personne avant d'avoir une relation n'a pas eu, justement, n'a pas mangé quoi que ce soit, l'otaïmidé. Si par contre, après la prise de sang, il a mangé quelque chose, avaltaïmidé, alors l'itlanba, il n'y a justement aucun problème. Amaraba baravuna, ba minaderet, veshimesh mitato. Quelqu'un qui était sur un grand chemin, ça l'a beaucoup fatigué. Par la suite, il a eu une relation avec sa femme, veshimesh mitato. Alors, avanin, banin, divitnin, lui aussi, il va avoir des enfants qui sont vitkin, on va dire, très faible. Tanu Rabanan, Abba Mibet Akissé, quelqu'un donc qui sort des toilettes. Et tout de suite, il a une relation avec sa femme. Ali Eshamesh Mitato, Acheish et Shiur Khatsimil. Il ne faut pas qu'il ait de relation jusqu'à ce qu'il attend le Shiur de faire un demi-mille. On va dire, ça fait environ 600-700 mètres. En tout cas, on a l'habitude d'attendre 9 minutes. Mipne, Sheshet Bet Akissé, Melave Imo. Parce qu'il y a donc une force, donc un shed, dans les toilettes, Melave Imo, qui l'accompagne lorsqu'il sort des toilettes, et donc il doit se retenir pendant 9 minutes en tout cas, de ne pas avoir de relation avec sa femme. Veim Shimesh, si jamais il a eu la relation, voici que ses enfants, Avian Lobanin, Nirfin, cette fois, il va avoir des enfants qui ont l'habitude de tomber souvent. Ils ont une maladie, c'est une maladie, donc Gorem Nefila. Tanoura Banan, Ameshamesh Mitato, Mehoumed, quelqu'un qui a une relation avec sa femme alors qu'il est debout. Voici que Ohazeto, Avit, va s'emparer de lui, une maladie qui s'appelle Avit. C'est quoi? C'est qu'en fait, il va souvent trembler et il va avoir des peurs. Meyushav, Ohazeto, Delaria. Si jamais donc, il a eu la relation alors qu'il était assis. Alors, Delaria, c'est une autre maladie qui fait gonfler le ventre, qui va justement le prendre. Si jamais, Himilemala, madame, lorsqu'elle a une relation, elle est en haut et lui, il est vers le bas. Veumilemata, ce n'est pas le derechret, ce n'est pas l'habitude. Également, cette maladie Dina de Delaria va se prendre à lui au Hazato Delaria. Mai Delaria, quelle est cette Delaria? À savoir, comment peut-on la guérir? Amar Rabbi Yushua ben Levi, Sam Delaria hu Dardara. Voici donc que la guérison de Delaria, on va le faire avec Dardara. Et c'est quoi ce Dardara ou Mai Dardara? Amar Abaye, Morika de Ruché. C'est donc un encens qu'on appelle Korkom, de Ruché, qu'on a l'habitude de prendre, justement, à côté d'une barrière qui est faite avec des Kotsim, avec des ronces. Là-bas pousse le Korkom et on le prend, justement, et ça va lui donner la refoua chez les mains. Rav Papa nous dit, nous rapporte Anis ou Bala les. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mâchait justement ces carcoms-là et par la suite il l'avalait. Rav Papa, Papé, non. Juste il le mâchait et par la suite il le recrachait. Rav Papé, Anis, Véchadé, les. Nous allons continuer et donc nous rapporte la Gemara maintenant à Amar Abaye, Mishéno, Baki, Bederecheretz, quelqu'un qui n'a pas assez de force pour avoir des relations avec sa femme. Alors l'ité qu'on lui apporte, Tlet, Képizé, trois verres qui, chaque verre, peut contenir trois logs. Et Courtémé, Dechoché, on va lui apporter également
du curcum qui grandit dans un sol là-bas où on met beaucoup d'engrais. Venidokinehu. Qu'est-ce qu'on le fera par la suite? On va donc écraser ce curcum tout d'abord et on va le faire cuire avec du vin. Venishkalinehu, Bechamra, Venishte. Il boira la potion. Amarabi Ochanan, hen, ces choses-là. Echezeruni, Lehermale, Neranaharuti. Ça a été Marziroti, ça m'a fait revenir à ma jeunesse, Lenaharuti. On continue. Shloshadvarim, Makrishim, Koroshan Adam. Il y a trois choses qui fatiguent le corps de la personne. Veeluen, on va les citer. La peur tout d'abord, l'inquiétude également, pachad. On nous dit également derech, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait beaucoup de voyages, ça le fatigue beaucoup. Ve'avon, quelqu'un qui fait une faute, et donc finalement l'inquiétude de ses fautes, ça va le fatiguer. Pachad dirtiv, on apporte un pasouk au sujet de la peur. Libi serachar azavanikochi, voici que ma force m'a abandonné lorsque libi serachar, j'avais des peurs. Et on rapporte également sedanteilim, tous les autres psukim, on les verra là-bas également. Derech eretz dirtiv, ina baderech kochi. Voici que Baderer, sur le chemin, Inna m'a été fatigué, ma force, bien sûr. Autre pasouk, Avon dirtiv, on apprend que la faute également, ça entraîne que la personne sera fatiguée. Il est rapporté, Kachal ba'avonikochi, ve'atsamai achashu, chez la suite du pasouk, on voit que, par la faute, ça entraîne que Kachal kochi, ma force, donc je ne l'ai plus. Autre enseignement, Shloshadvarim, Matizin, Gufoshel Adam, il y a trois choses qui, on va dire, abîme le corps de l'homme. Veluen, c'est quoi? Achal Mehomed, quand une personne mange debout, également quand il boit debout. Veshata Mehomed, et quand il a une relation, alors qu'il est debout. Veshimesh Mitato, Mehomed, une mita, c'est un lit. Shimesh Mitato, c'est avoir une relation. Chamisha, il y a donc cinq choses qui revivent les mita, yoter minachaim, ce qu'il est fait, alors il est plus proche de la mort que de la vie. Veluen, c'est quoi? Quelqu'un qui mange et tout de suite se lève par la suite. Achal ve'amad, quelqu'un qui boit et tout de suite se lève par la suite. Shata ve'aman, ekiz dam ve'amad, quelqu'un qui a fait une grosse prise de sang et tout de suite après, il vient à se lever. Également, yashan ve'amad, quelqu'un qui s'est endormi et tout de suite, dès qu'il se réveille, il vient à se lever. C'est pas bien, il faut tout le temps attendre un petit peu. Shimesh mita, quelqu'un qui a eu une relation et tout de suite après la relation, il s'est levé. Alors voici qu'ils sont plus proches ces gens-là de la mort que de la vie. Nous dit le Ben Ishraï au sujet d'une personne par exemple qui boit debout. Il nous dit, tu sais, Ishtano Advaim, les corps ont changé et peut-être que de nos jours ces choses-là ne sont pas chayar. En tout cas, Shisha Aoseotam, il y a six choses qu'une personne qui les fait, voici que Miyad Met, il risque de mourir tout de suite. Veluen, c'est quoi? Ababa Derer, Ve Nitiagea, quelqu'un qui était donc sur le chemin et qui s'est beaucoup fatigué. Tout de suite, on lui a fait une grande prise de sang. Ekizdam, Nirnas, Lebet Amerchat, il est rentré donc dans un bain public où là-bas il y a beaucoup de chaleur. Et il a bu du vin et il s'est saoulé. Veshatayayin, Venishtaker, Veyashan al-Gabekarka, il a dormi par terre. Veshimesh Mitato, et par la suite il a une relation. Alors voici que donc la personne qui fait ces choses-là, dans cet ordre-là, on le verra, va mourir. Amar Rabbi Yochanan, Veushe Osaan, Kesidran, quand il les fait dans l'ordre uniquement. Amar Abayi, Kesidran, Mais quand il est fait dans l'ordre, il va mourir. Mais s'il ne les fait pas dans l'ordre, il ne va pas mourir, c'est vrai. Mais en tout cas, il va être très fatigué. Khalash. Chez Lokesidran, Khalish. Et la Gemara va se demander, c'est uniquement quand on fait toutes ces choses-là et dans cet ordre-là que l'on meurt, ou sinon on ne meurt pas, et ni. Pourtant, Veha, Me'urat, Avdale, Le'avda, il y avait donc une femme qui s'appelait Me'urat, elle a fait donc à son serviteur, Avdale, Le'avda, Tlet Minimu, trois de ces choses-là que l'on vient de citer, et donc, il est, par la suite, il est mort, Umit. Tu vois que même si on ne les fait pas toutes ces choses-là, on va mourir. Réponse de la Gemara, Hahu, Kachush avait cette personne-là, il était déjà très faible, son corps était faible, c'est différent. Shmona, Ruban, Kaché. Nous allons donc citer huit choses qui, Ruban, Kaché, quand on les fait beaucoup, c'est mauvais pour le corps. Quand on le fait un petit peu, au contraire, c'est bon pour le corps. Ou Miutan, Yafé. Nous allons donc les citer. Veluen, c'est quoi? Derer, quand on fait de la route. Et également, Vederer Eretz, avoir des relations. Quand on en fait beaucoup, c'est pas très bon pour le corps. Un petit peu, c'est oui, bon. Ocher, la richesse, est, c'est-à-dire que quand on est très riche, alors voici que la personne, elle s'inquiète, et donc elle se fatigue, on avait vu que ça fatigue le corps. Ou melacha, quelqu'un qui travaille trop, c'est pas bien. Et donc, yayin également, le vin, quand on en boit trop, c'est pas bon.
Shina, Vechamin, le fait de dormir trop, c'est pas bien. Chamin, quand on boit beaucoup d'eau chaude, et également qu'on se mène dans beaucoup d'eau chaude, c'est pas très bien, mais un petit peu, c'est bon. Verakazaddan, des petites prises de sang pour enlever le surplus de sang qu'on a dans le corps, ce qu'il faisait souvent à l'époque. Alors on doit savoir qu'un petit peu c'est bon, mais pas trop. Shmona, Memahatim, et Azera. Il y a donc 8 choses qui font que la personne aura moins de semences lorsqu'il aura des relations, moins de Zera, Veluhen. Nous allons donc les citer. C'est quoi? Hamelar, c'est le sel. Veharav, également une personne qui est affamée. Vehanetek, donc celui qui a des plaies sur le corps, ça fait qu'il a moins de Zera. Également, Bechia, quand on pleure. Veshina al Gabekarka, quand on dort sur le sol. Et on nous dit Vegungedaniot. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le kousbara de nos jours. Alors, cette plante-là, le kousbara, que l'on vend beaucoup, on doit savoir que ce kousbara-là, ça fait qu'on a moins de Zera. On nous dit également Keshut, c'est donc un légume, une Zera, qui n'est pas très bonne. Et on nous dit, chez l'obismana, uniquement quand le cachoute, je le mange, et que ce n'est pas son moment de le manger. Chez l'obismana, on expliquera par la suite. Et nous précise l'agmara, avec Akazaddam, ces prises de sang-là, quand on les fait les matins en dessous des hanches, alors qu'Iflaïm, c'est encore plus mauvais, deux fois plus mauvais. Tana. Keshem, chez caché les matins, de la même manière que faire une prise de sang en bas, c'est pas bon, kiflaïm, deux fois moins bon. Alors également, kachyafé, les malas, quand on fait la prise de sang en haut, on doit savoir que c'est encore deux fois plus bon pour le corps, kiflaïm. Amar, Rav Papa, nous continuons, nous allons passer au verso de la page. Il nous dit, les matas, minabetim, quand on parle d'en bas, c'est en bas des beitsim, on va dire, donc c'est en bas des parties de l'homme. Et les malas, quand on fait référence au-dessus, c'est au-dessus des beitsim, les malas, min a beitsim, on va dire. En tout cas, on continue, ve kachot chez l'obismana, le kachot, ce légume-là, chez l'obismana, c'est pas bon quand on le prend et que c'est pas son moment. Tana, ça veut dire quoi? Keshem, chez caché, chez l'obismana, de la même manière que le cachot, quand ce n'est pas son moment, alors c'est pas bon, et en effet, on a moins de semences par la suite. Également, on doit savoir que c'est bon quand on le prend au bon moment, car il a fait bismana. Amaraf papa, c'est quoi zmana, son moment? C'est donc pendant le mois de Tamouz. Vechez l'obismana, c'est quoi? Pendant Tevet, en hiver, c'est pas bon. Et on nous dit, yomé nissan ve yomé tishri, pendant les périodes donc de Nissan et de Tishri, alors c'est ni bon ni pas bon. Lomaalu velokashu. Nous sommes maintenant aux deux points et nous allons reprendre la Mishnah à la page Samer Zayin au verso de la page ensemble. Il a été dit là-bas début du 6e perek, Misha Achazo Kordiokos, quelqu'un donc qui était en bonne santé et d'un coup il a bu un mauvais vin et donc finalement il y a un chef d'un mauvais esprit qui s'est empris à lui. Ve'amar katvuget leishti. À ce moment-là, la personne a demandé à des shluchim, écrivez un get à ma femme. Voici que l'on ne tiendra pas compte de ces paroles. Lo amar kloum. En effet, il n'a pas le da'at. Amar katvuget leishti. Maintenant, à l'inverse, quelqu'un qui était tout à fait serein, qui a demandé que l'on écrive pour sa femme un get. Par la suite, voici que, Ve'achazo kordiokos, le shed s'est empris à lui, lorsqu'il a bu du vin, et à ce moment-là, il a voulu annuler le guet, Ve'achazar ve'amar, lotir tevenu. Alors, également, nous allons dire, ces dernières paroles sont nulles et non avenues, en devarav aharonim klum. Pourquoi? Parce qu'en effet, à ce moment-là, il n'était pas du tout serein. En tout cas, nous pouvons revenir, nous allons tout d'abord relire aux deux points Amar Katvuget Leishti, Ve'achazo kordiokot, Ve'achazar, Ve'amar Altir Tevenu. Par la suite, il est revenu, il a changé d'avis, il a dit n'écrivez pas le guet, on ne fait pas attention à ces dernières paroles, En Devarav Acharonim Klum. Sur ce, Amar Rabbi Shimon Ben Lakish, Kodvin Venotnim Get, Lealtar, nous pouvons donc écrire le guet et le donner tout de suite, Lealtar, bien que la personne qui nous avait envoyé au départ, au moment où on donne le guet, est encore folle, est encore prise par le Kordiokos. Comme ça nous dit Resh Lakish. Donc, nous sommes aux deux points, on le relit Resh Lakish, Amar Rabbi Shimon Ben Lakish, Kodvin Venotnim Get, Lealtar, tout de suite. Rabbi Yochanan, lui, n'est pas d'accord, il pense que pour écrire et donner le guet, il faut qu'à ce moment-là, la personne soit consciente également. En effet, on est ses shluchim, on est ses envoyés. Si à ce moment-là, il avait le da'at pour faire une telle chose, nous aussi également, on peut le faire. Sinon, on ne peut pas le faire. Ve Rabbi Yochanan Omer, qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Yochanan Amar, En Kodvin, Ella. En Ella, ça veut dire ne que. On écrira le guet pour le remettre par la suite, uniquement quand il récupérera ses forces. Les kéchés,
Ishtapé, quand-il se guérir ? On va expliquer Maïtama de Resh Lakish, quelle est la raison de Resh Lakish ? Dektané, en effet, dans la Mishnah, il a été dit Endevarav Achronim Klum, on ne fait pas attention aux dernières paroles de la personne. Apparemment, ça veut dire que le guet, on le fait tout de suite. Rabbi Yochanan, que pense-t-il ? Ve Rabbi Yochanan Amar Lecha, Endevarav Achronim Klum, ces dernières paroles, c'est rien du tout, à savoir Deleki Mitetzil, Lo Tsarich le Mihadar Imluchebe, lorsqu'il va avoir la refoua chez les mains, Mitetzil, que son dad va redevenir serein. Alors on n'aura pas le besoin, l'autre tsarir les mihadar, de revenir lui demander à ce qu'il nous renvoie pour envoyer le pour faire le guet. Donc les mihadar imlouchebe. On n'a pas besoin de lui redemander après, mais en tout cas on se doit d'attendre qu'il ait la refoua pour à ce moment-là faire la shlichut qu'il nous a demandé. Veleolam en kodvim et là les keishish tapé. Mais Behemet, on écrit le guet que quand il a eu la refoua. Bemaika miflagé, quelle est la machloket? Resh Lakish, mesdames et les leyachen, il compare cette personne-là à quelqu'un d'autre qui dort. En effet, je peux être le chaliar d'un ami, bien qu'au moment où je suis le chaliar pour lui, il n'y a aucun problème. Et Rabbi Yochanan, lui, n'est pas d'accord. Ve Rabbi Yochanan, mesdames et les chotés, il compare cette personne-là qui a été pris par le chef du Cordiocus à quelqu'un qui est choté, qui est fou. Donc quelqu'un qui était bien et qui par la suite est devenu complètement fou, vadaï qu'on ne peut plus faire de shlichut pour lui. Alors ici, ça va être pareil. Celui-ci a été pris par le shed. Ça ressemble, vers Rabbi Yochanan, mesdames et les chotés. On attendra donc qu'il ait la refoua shlema pour par la suite faire sa shlichut. Vers Rabbi Yochanan, nami nidmele yachen, nous demande la Gemara, Rabbi Yochanan également, il aurait dû comparer cette personne-là à quelqu'un qui dort? Non. Yoshen, lomechusar maase, quelqu'un qui dort, on n'a pas besoin de faire une action particulière pour lui redonner sa conscience, il va se réveiller tout seul. Par contre, lui, celui qui a le cours du cous, on a besoin de faire une action. En effet, tant qu'on ne lui a pas donné son médicament, alors il va rester fou. Aïe, mechoussar, maasé. Mechoussar, ça veut dire qu'il manque, maasé, une action. Veresh Lakish, nami, nidme, leshoté, se demande la Gemara à son tour. Selon Resh Lakish, Behemet, pourquoi il ne compare pas cette personne-là à un fou? Pourquoi dit-il qu'il ressemble à quelqu'un qui dort? Réponse, choté, lo, samé, beyadan. Quelqu'un qui est fou, alors on n'a pas la guérison entre nos mains pour le remettre à point. Par contre, celui-ci, celui qui a le cours du cous, entre nos mains, on peut lui redonner tout de suite la guérison en lui donnant le médicament qu'on parlera plus tard. Hai samé beyadan. Samé, ça veut dire donc la guérison, beyadan entre nos mains. Et donc voici la guérison. En effet, ce n'est pas un médicament, pardon, on l'avait cité, c'est de la bonne nourriture, bisra, sumka, c'est de la viande qui est maigre cependant, mais qui a été grillée, agumrée, et donc, vechamra, marka, on fait boire également du vin qui a été coupé avec de l'eau. Umi Amar Rabbi Yochanan Achi. On se demande maintenant tout de suite, est-ce possible que Rabbi Yochanan nous ait dit, comme on vient de le voir plus haut, comme quoi on se doit d'attendre et la personne on ne peut pas faire de shnichut pour lui tant qu'il est empris par le cours du cous. Vea Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, il a cependant été dit, regardez, Shachat Bo Shtaim Orof Shnaim, si jamais on a une personne, Kras Veshalom, on lui a fait la shrita à cette personne-là, on lui a coupé donc dans sa nuque, on lui a coupé certains tendons. Il va mourir dans quelques instants. Véramaz, mais quand même, il a réussi à faire une allusion et à nous faire comprendre qu'il voulait qu'on écrive tout de suite un guet à sa femme et qu'on lui donne Véamar, kadvu guet, leishti. Arelu, yikadvu veitnu. Alors, on peut écrire le guet et on peut le donner quand même. Vétania, et on a également une autre braïta qui nous dit Raou, me gouyar, o tsalouv. Et si jamais on avait une personne dont les parties du corps étaient découpées, ou bien o tsalouv, à la tseliva, il était donc pendu, cette personne-là. Mais quand même, il nous a fait un signe, un remez, veramaz, veamar, et donc on a compris qu'il a voulu nous dire écrivez un guet à ma femme, kadvu guet lishti. Alors voici qu'on peut écrire le guet et le remettre par la suite. Arelu yikadvu veitnu. Et donc on voit de la braïta d'une part, de Shmuel également, comme quoi, bien que la personne n'est pas du tout lucide, quand même nous pouvons faire une shlichut pour lui. La Gemara va nous dire c'est différent. Achi ashta hatam, là-bas la personne date sinuta, elle a donc l'esprit saint sans aucun problème. Et tout simplement, il a une grande fatigue, à savoir que son corps commence à mourir, c'est vrai, il ne ressent plus donc ses membres, vekarishuta ou deitrilabe. Donc la fatigue a commencé à le prendre et il perd ses forces. Acha, par contre, chez nous, au sujet du cours du cous, c'est différent. La personne n'a plus de da'at, da'ata shagishta. C'est pour cela que l'on ne peut pas faire une shlichut pour lui. Et la Gemara maintenant va s'étonner sur Shmuel. Comment est-ce possible qu'il ait dit
qu'une personne qui, dont on lui a coupé les tendons derrière et qui va mourir dans quelques instants, on peut faire le guet pour sa femme. Pourtant, nous voyons en enseignement de Rav Yehuda qui va à l'encontre, ou mis à Marshmoen Ahri, Ve'ama Rav Yehuda Marshmoen, c'est quoi? Lorsqu'on a une personne dont on lui a fait cette shritala, Chas Veshalom, Shachat Boshnaim, Orof Shnaim, et par la suite, la personne s'est enfuie, Ve'barar. Alors, nous pouvons témoigner comme quoi la personne est morte pour que sa femme puisse se remarier. Meidin Alav, et donc, puisqu'on peut témoigner, ça veut dire qu'on la considère comme morte. Alors, comment peut-on faire une shlichut pour lui, pour divorcer sa femme? Il est dorénavant considéré comme mort. Veisan Kadata Chayru. Si jamais tu penses que la personne, c'est possible qu'il vive, comment peut-on témoigner pour que madame vienne à se remarier? Amay Meidin Alav, l'Agmara nous répond. Amré, qu'est-ce qu'ils disent les gens pour répondre à cette question-là? Chayru, Vesofolamut. En effet, cette personne-là, à l'instant, il est vivant. On peut vite faire un guet, c'est vrai. Mais on peut témoigner qu'il est mort parce que, sauf la moute, dans quelques heures, il viendra mourir. Madame, demain, dans une semaine, dans 15 jours, elle pourra se marier. Et la Meata va se demander à la Gemara maintenant. Yehegole aliado. On sait que quelqu'un qui tue sans faire exprès, il va en ville de refuge. Maintenant, si Reuven a donc coupé, a fait cette même action-là sur son ami Shimon. Il lui a coupé les Shnaim et Rof Shnaim sans faire exprès, c'est vrai. Est-ce qu'il part en ville de refuge? Non, il n'y va pas. Et la Gemara tout de suite s'étonne. Pourquoi n'irait-il pas en ville de refuge? Puisqu'on considère que Sofolamut, c'est sûr qu'il va mourir dans quelques instants. Et la Meata Yehegole aliado. Alama, or il a été enseigné, Tania. Shachat bo shnaim, orof shnaim, si Reuven a été shochet, donc les deux grands tendons qu'a son ami, donc sur la nuque, a rezé et nogolé, il ne va pas en ville de refuge. Pourquoi une telle chose? Tu considères qu'il va mourir dans quelques instants, c'est comme s'il en avait tué? Réponse de la Gemara. Itmarala, il a été enseigné à Mar Rabbi Oshaya, Chayshinan, chez Maharouar, Bilbalto, nous craignons, comme quoi il y a donc eu un coup de vent, Bilbalto, qui finalement a rapproché sa mort. En effet, quand Reuven l'a tapé, ce n'est pas le seul qui a tué son ami Shimon. Pourquoi? Parce que le vent également, en shoot-a-foot, s'est associé pour donc rapprocher la mort de Shimon. C'est ce qu'on dit, Rouar Bilbalto. Et donc, pour partir en ville de refuge, il faut que Reuven, lui seul et lui tout seul, ait fait l'action finalement de tuer son ami. Inami, autre réponse, ou qui rêve et mitato, c'est-à-dire que Shimon, après qu'on l'ait tapé, voici qu'il a commencé à être mefarkes, à bouger dans tous les sens, et donc finalement, qui rêve et mitato, il a rapproché sa mort. Donc en fait, lui-même, Shimon, s'est entraîné, lui, de mourir plus tôt que prévu. C'est pour cela que la personne ne parle pas en ville de refuge. Nous dit l'Agmara, Maïbeneu, quelle est la nafkamina que l'on a entre ces deux raisons-là qui nous font comprendre que Reuven ne partira pas en ville de refuge. Ika Beneyo, oui, il y a une différence, regardez tout de suite, des Shachate, des Beita, des Shisha. Lorsque Reuven a fait la Shrita à son ami, on va dire, dans une maison, Beita, des Shisha, qui est faite en marbre, là-bas il n'y a pas de vent. Si tu penses que toute la raison pour laquelle je ne vais pas en ville de refuge, c'est parce que le vent également s'associe à moi pour tuer mon ami, alors en effet, on doit savoir que dans une maison qui est faite en Shaïch, qui est faite en marbre, il n'y a pas de vent. Alors là, j'irai en ville de refuge, Vépirkes, parce que donc la personne, bien qu'elle a bougé finalement, mais quand même, ce n'est pas une raison suffisante pour dire que je n'irai pas en ville de refuge. Inami, autre pshat, on va donner une autre nafkamina, c'est quoi? Deshachate, be, bara, velo pirkes. Lorsque Reuven a fait la shrita à son ami dehors dans la rue, c'est vrai qu'il y a du vent, mais la personne n'a pas bougé. Alors, selon cette shita-là que l'on a vu plus haut, le fait que la personne vient à bouger, donc c'est ça qui entraîne que je suis pas tour de la ville de refuge. Par contre, le fait qu'il y ait du vent, mais non, c'est un élément naturel, on n'en fait pas cas. Alors ici aussi également, bien que la shrita ait été faite dehors, mais puisque la personne n'a pas bougé, voici que Reuven, qui lui a fait une telle chose, devra partir en ville de refuge. En tout cas, nous, on se doit de réviser la page. Chazak, Koltouf.